Zu Ohren, Bruder. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Far Cry Primal, chers amis. Donc on prend continuer, on va bien voir s'il y a quelque chose qui a changé. D'accord, donc l'histoire s'est concentrée sur les Houdams. Ça m'inquiète un peu, est-ce que ça veut dire que je dois le faire obligatoirement tout de suite ou pas? Parce que moi, comme je l'avais dit, en fait, je préférais en fait tout simplement avancer au même niveau avec les Isila. Ah oui, je me rappelle qu'on avait fait des grosses conneries niveau niveau compo. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on a sur la carte qui soit disponible? On a... Ah oui, c'est ça. On va aller voir l'américain. Limite même, on va peut-être se faire la chasse à l'ours au passage. Je sais pas. On va bien voir. Voilà, on fait l'américain, on fait la quête de l'Isila. Et ensuite, on va voir pour l'ours, je pense. Ok. On va faire ça. On va faire ça comme ça. Ici. C'est par là. Oui, c'est le fameux tertre. C'est le fameux tertre. Alors il y a des choses dans ce... Il y a des compos en fait dans ce truc. Et je ne saurais pas dire où ils sont. J'imagine qu'ils sont en dessous. Cherchez ici, c'est ici. Argile du Nord. Oui d'accord, alors moi je pense... C'est pas trouvé ce genre de compo. Dommage. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je voulais voir aussi autre chose au niveau de... des compétences. On a bien pris le sprint illimité. Oui, parfait, d'accord. Comme ça je sais que je peux sprinter indéfiniment en fait. Les feuilles rouges, on va cruellement en avoir besoin. J'ai vu un arbre à côté, on va pouvoir le prendre aussi, arbre du sud. Compte tenu de tout ce qu'on va devoir prendre maintenant, ce qu'on a déjà perdu en fait. Ok. Il me semble qu'on était en... Oh là. Oh là 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 là. Mange. Ok. Vas-y, bouffe-le. C'est dans cette direction là qu'on va. Pas de soucis, on peut y aller. On va avoir une mise à mort avec des points d'XP bientôt là. Voilà. Tiens, bouffe. On va prendre tout ça. Il y avait des feuilles vertes ici, on va les prendre. Les Isila. On se fait bouffer par un lion. Ils vont se faire bouffer par un lion. De ce côté-là, c'est assez bon. Ils vont se faire bouffer par un lion. Ok. On récupère un maximum de choses, un maximum de feuilles rouges aussi. J'entends un tigre, un autre en tout cas. Ce qui m'inquiète assez, je dois l'avouer. Ok. On récupère la viande, c'est parfait. Et la peau.
Lui par contre il s'enfuit. Ça, ça m'embête un peu plus. Lui il est là-haut. Vous êtes des copains. Va attaquer lui plutôt. D'ailleurs à ce sujet j'aimerais... Hop, voilà l'enflammer. Ça va bien faciliter les choses. Une carcasse pour de la viande. Apparemment, j'ai plus de place pour de la viande. Parfait. On récupère toujours de la peau. Et c'est vrai que la peau a une bien moins grande importance en fait maintenant. Parce qu'avant, on pouvait l'acheter pour, enfin, on pouvait la faire pour la récupérer pour la revendre dans les autres Far Cry. Mais ici, il n'y a aucune notion de monnaie. Enfin, à ce moment-là de l'histoire de la vie, il n'y a aucune notion de monnaie. Donc bon, on est un peu piégé. Silex et viande. Et des hurkiers se défendent contre des ours, c'est ça? C'est le truc qu'on avait déjà fait la dernière fois? Non, c'est pas un ours. Ah, ah, ils tous tellement ça pue. Ok. Je te ramène un ours, pas de soucis. Oh là là, il est vraiment très très timbré celui-là. Il a été bercé vraiment trop près du mur. N'empêche que il a beau avoir pris une sagaie dans la tête, il s'en sort plutôt bien. Les ingrédients malodorants. D'accord. Bah écoute, on y va. On y va, on y va, on y va. Il n'y a pas moyen de grimper plus vite par là. Apparemment non. Ah si, là. Hop, c'est parfait. Crac. Hop. Ah, je pensais que ça allait passer à travers la matière, mais non. Pas mal. Pas mal, jeu. Tu m'intéresses quand tu fais des choses comme ça. Ah là, par contre, ça l'a fait, mais bon. J'ai connu pire comme façon de faire. Hop, voilà, on y est. Joli dans le coin. Il y a des mammouths dans le coin. C'est inquiétant dans le coin. Par contre, c'est vraiment très joli. C'est une plaine et je m'attendais pas à ce qu'il y en ait une ici. Alors, je crois que celui-là, je peux le monter. Oui, c'est bon. Ok, ça se passe plutôt bien. Bouse de rhino, rayon de miel et ours brun apprivoisé. Je vais descendre. Ou pas. Je vais attaquer les rhinos. Alors, plus je sais, c'est la bouse qu'il faut aller chercher normalement. Par contre, je trouve ça très très bon pour des angles droits comme ça au niveau du rhino. Déjà ça, vu que je pense qu'il me faut du rhino. Peau de rhino laineux. Bah merde. Mon mammouth? Ah, il est là. Ah non, c'est pas mon mammouth. Bah...
Ok, hashtag XCTP. Mon mammouth CTP. Par contre, si tu bien utiliser tes mains pour. Ce coup-là, je l'ai pas vu. Oh, massagué. Hop les. Non, pas enflammé, sagué, mais t'es con. Mais non. Bon bah, tu veux pas soigner ton ta bestiole. Tant pis pour toi. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler l'ours. Récupérer massagué. Merci. Hop. Ours brun apprivoisé, apparemment, oui. Oh merde, il va me voir lui. Alors attendez, parce que si je peux. Imaginons que je puisse. De toute façon. S'il brûle pas. De la bonne bouse. Alors. Oh, encore de la bouse. Miam, miam. Et il y en a encore une là. Parfait. Ça fait 3. On va faire ça comme ça. Tiens, bouffe. Hey, le rhino. Aïe. 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 Ok, j'ai pris cher. Heureusement, il doit y avoir une grosse quantité de viande là-dedans. Allez, hop. Parfait. Il va falloir trouver plus de bouse. Donc on l'a suivi jusqu'à l'eau. Jusqu'à l'eau. Donc là ici aussi il y en aura. Ça me semble correct. L'eau il est en train d'en chier grave comme on dit. Et en voici une dernière, parfait. Au niveau de la bouse on est bon. J'aimerais quand même récupérer un petit peu de bois, des feuilles vertes pourquoi pas. Hop, tu peux te pousser s'il te plaît. Merci. Est-ce qu'il y a moyen que je vois dans mon sac? Voilà. 32, alors je peux en avoir que 32, 20, 20, 32, 32, 16, 8, 8, 16, d'accord, 16, 16, 16, 16, 13 en vert, d'accord, donc le vert, faut que j'en retrouve. Du rouge, faut que j'en trouve, et du racine, faut que j'en trouve, d'accord. Ici, il faut que j'en trouve plein d'ardoises, faut que je trouve plein de choses par là. Par là, je n'ai pas de peau à rhino à deux cornes. Je n'ai pas de peau de blaireau ni de peau de singe. Ça va être nécessaire tout ça. Au niveau de la confection, qu'est-ce qu'on a? On peut fabriquer un truc ici. Des bombes berserk. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Je vais les fabriquer. Quand j'attaquerai un camp, chers amis, avec ça, je pourrai les rendre, les faire s'attaquer entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être pratique. Ça peut être extrêmement pratique. Bon là il y a encore du boulot pour tout le reste hein, malheureusement. Je vois une herbe rouge, c'est parfait. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? D'accord. Easy là. Plus personne là. Plus personne là non plus. Par contre, il y a du feu là-bas. Ce qui n'est clairement pas bon signe. Et le soleil n'est plus là.
Faut que je trouve des rayons de miel. Potentiellement dans les arbres, j'imagine. Ours brun. Vous savez quoi? Je pense que je vais le... Le mettre de mon côté. Hop, c'est parti comme ça. Vous voyez, on en aura un avec nous. Ok. Et de une. Ok. Ok, c'est bon. Il faut encore trouver deux rayons de miel, pardon, et je les ai pas vus. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a des flammes dans le coin. Des lucioles. Là-bas, il y a un rayon de miel. Parfait, il a eu peur, je présume. Quelqu'un nous observe. Putain. Il ne nous observera plus. Putain. T'es vraiment aveugle, toi, ma grande. Non. Hop. Voilà, là j'ai une pierre, vas-y. What the fuck? Un autre a perdu. Du coup j'estime qu'on a besoin d'un autre. Désolé. Tu dégages. Tu ne mérites pas de vivre. Tu es un faible. Je peux tuer ni l'un ni l'autre. Ah merde, je pensais pouvoir le récupérer. Oh, fait chier. Je pensais pouvoir le récupérer, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Ah, bon. Poudre de roc du sud, d'accord. Oui, mais c'est pas ça que je cherche. Oh merde. Je chie dans la colle, comme on dit. Oh putain. Ah oui, c'est vrai, on les voit pas, les fleurs. Ok. Ok, là-bas. Là-bas. On les a. Cependant, il y a clairement du feu là-bas. Et je veux aller voir ce qu'il y a. Ça m'intéresse. D'ailleurs, on est où sur la carte? D'accord. Donc c'est clairement pas un camp. Enfin, je pense pas. Il y avait beaucoup d'isilas et des flammes dans le coin. Peut-être maintenant on a quelque chose un peu plus violent, peut-être. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment tu m'as rejoint, toi, d'ailleurs? Hop, voilà. On va aller par là. Et
Pierre sanglante du bandu. Oh, y a bien quelqu'un qui a allumé la lumière. Non? Enflammer une flèche, non, ça m'intéresse pas d'enflammer la flèche. Non, y'a personne. Bon. Bah, écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas. Compte tenu du fait qu'il fasse nuit, je pense qu'on va plutôt se... Ah bah non, on peut pas se téléporter. Ah si. On peut s'y téléporter, mais... ouais, on va pas être au bon endroit, j'ai l'impression. Donc on y va. On y va, on y va, on ne perd pas de temps. On va sûrement tomber face à d'autres zizi là. Ce bruit, je le connais pas. Ce bruit, je ne le connais pas. En tout cas, j'ai pas eu l'impression de le reconnaître. On va appeler Simone. Voilà, Simone, viens, viens là. Ah oui, apprivoiser un ours brun. On va appeler celle-ci, puis on va se déplacer avec. Écoute, hein, c'est ce que je te dise. Hop. Allez, viens. Hop. Voilà, oui, bah c'est bien qu'il fasse le plein des ressources. Honnêtement, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, c'est pas aussi rapide, hein. C'est loin d'être aussi rapide. Et je vais devoir dire à mon ours de l'attaquer, c'est ça? C'est là qu'il est l'objectif ou... Ah. Il aime pas les cailloux. Mais qu'il est con! Mais qu'il est con cet ours! Mais qu'est-ce que... Yurki! Yurki! Hop! Yo l'ami! Non, t'as pas l'air d'être en forme psychologiquement, hein. Yurki! Yurki! Gaaaaaah! Lâcher l'affaire là, s'il te plaît. Voilà. Tiens, prends ta bouse. C'est le nouveau déo. On regarde ailleurs. Vas-y. Et Yurki a encore changé d'odeur. Bon, viens, je t'emmène. Repose-toi. Ok, il y a des choses partout. Et il y a des mammouths dans le coin. Ok, ok. Par rapport à l'autre trou du cul, on est ouf. On est vachement loin. On va aller là-bas. Crac. J'ai pas envie de faire la chasse à l'ours. On y consacrera un petit épisode, je pense. Et on va aller voir cependant ici vite fait. Parce que je pense que la quête doit pas être très très longue. Ça fait déjà à peu près une demi-heure qu'on y est dans cet épisode. Mais ça devrait aller. Ça devrait aller. Bon, bon, bon. Lui il est mort. Ne me cherchez pas les mecs, hein.
Vous êtes clairement attaqué à la mauvaise bestiole, c'est tout, hein. Faut pas chercher plus loin. D'ailleurs, en parlant de bestiole. Hop, voilà. Il y a quelque chose qui a manqué de me voir. C'est intéressant. D'accord. Voilà, t'es mort. Oh là là, la flèche dans l'œil. Merci. Alors, alors. Mètres. Nous y sommes. Attendez un petit peu de résistance. Voler des graines pour votre village pendant une course ici là. Ah oui, c'est ça. Les germes du soleil. C'est quoi ces courses ici là? Ok. J'ai la bestiole la plus rapide du jeu. Pourquoi pas? Ça ne me dérange pas. Derrière un caillou. Ok, lui aussi il est fini. Des sacs de graines dans le coin. C'est une course d'orientation, non? Je sais pas. C'est quoi l'espèce de course dont il parle? Moi je dirais que les graines se retournent du feu et des pierres, non? L'érable du sud, c'est pas ça. Hop. Hop, merci. Alors, les sacs de graines. On est sorti de la zone, donc c'est pas bon. Les sacs de graines, les sacs de graines, les sacs de graines. Là, il y en a un, apparemment. À quoi ça ressemble? D'accord. Why not? Why not? Why not? Il y en a un autre là? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, 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 bon. Putain, d'accord, il y en a d'autres. Ok, on descend. Vite. Va. Cercle du soleil ardent. Plus un point de compétence. Ça y est, encore vachement haut. Aïe. M'en fous, j'ai de la bouffe. N'a rien vu. What?
Ok. Personne n'a rien vu. Où est-ce qu'il est son cadavre à lui? Là. Peux-tu te casser s'il te plaît? Merci. Hop. Voilà. Il y a un croco. Il y a un croco. Oh merde. Par contre, je trouve pas celui-là. Où il est? Où il est, putain? J'ai pas de temps à perdre avec vos âneries. Là. Ok. Et malheureusement, il y a toi aussi. Ok, faut qu'on y aille. On remonte. Quoi? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi je me suis cassé la goule? Oh la gueule. Ok. Pouvoir monter ici. Ah oh, merde. Oh mais. Parti. Allez sprint. Par contre tu pourrais faire attention à bien attraper la corde s'il te plaît. Avec la main droite parce que sinon c'est pas top. Visuellement ça rend pas. Ok. Donc je l'ai raté. Hop les. Ok. Ok ok. Alors ici on a quoi? Bon bah feu, ça peut être sympa. Hop. Ouf. Ouf. Tu me saoules toi. Oh! Ok. Avant de mourir bêtement. Aïe! La vache! Hop! Aïe! Aïe. Aïe. Je prends cher. Voilà. Et toi là? Tiens, bouffe les abeilles. Ça devrait suffire. Parfait. Parfait, parfait. Bon, on en a chié mais on les a tous eus. Pourquoi je suis plus avec le bon arc? Bah tu m'étonnes que je fasse pas suffisamment de dégâts. Ok. Ici, on en avait deux autres normalement. Apparemment je l'ai fouillé. Pas eu l'animation mais je l'ai fouillé. Lui aussi. Lui ou elle, j'ai un doute. Je crois que c'est elle. D'ailleurs je crois que je lui ai bien mis la main sur le cul. Je vais juste vérifier mais... Non c'est lui. C'est lui, c'est lui. Oh là là, je me sens comme Sangoku, faut que je fasse paf, faut que je fasse paf paf pour vérifier. Alors. Bah là c'était elle, j'ai même pas fait gaffe. Oh merde, mon dent de sabre. Tu veux voir ta peau? Ça c'est assez mal fait par contre, hein, que je puisse le dépecer. Ok. Et le chef enfin. Qui a été bouffé par les abeilles. Et celui-ci, d'accord. Ok, ça c'est bon, on s'en est plutôt bien sorti. D'accord, en fait ils les ont ramenés à leur camp. C'était pas l'endroit où j'étais censé fouiller. Oh, fouiller la zone, visiter la... fuyer la zone, pardon. Oh, on va le faire, pas de soucis.
Y'a pas de soucis. J'aurais dû utiliser un petit peu plus les couteaux aussi, ça aurait été sympa. Alors, fuyez la zone et on est bon, ça y est. Voilà. Bon bon bon, et au final on aura mis combien de temps à faire cette mission? 11 minutes quand même. Ah d'accord, ok. Bon, j'ai vu qu'on avait un point de compétence, au moins un. Votre vision de chasseur fait désormais apparaître les plantes, d'accord. Tout en sprintant, ça peut être sympa. La stabilité est grandement améliorée. Ah, mais en plus on m'appelle sur FaceTime. Ah, mais vous allez vous calmer, s'il vous plaît. Hop. Donc, eh bien, écoutez les amis, on va se laisser là du coup pour cet épisode parce que je suis poussé au cul littéralement. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, ne pas trouver le lien en arrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, et moi je me rentre à la maison, salut.